Vous le savez, mon main survivant, c'est Ace Visconti. Pour plein de raisons, mais aussi et surtout parce qu'il a la classe. Cela dit, et dans Dead by Daylight, il faut reconnaître quelque chose, nous sommes dans une période où il y a des méta. Une méta, c'est un courant de style de jeu qui évolue avec le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve qu'il y a une redondance dans l'utilisation des perks dans Dead by Daylight, et ce, depuis quelque temps. Pourtant, il y a moult compétences. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'oblige à jouer d'autres survivants où je n'ai pas débloqué toutes les compétences, ce qui me permet de nuancer un peu plus mon style de jeu et de m'améliorer malgré tout. Ok. Ah, c'est ok. Là, à deux, en vrai, ça se fait. Là, à deux, ça se fait. C'est un bon signe, là, pour l'instant. Pour l'instant, tout se passe très, très bien. Alors. Comment dire ? Pas de radius, en effet. Mais j'ai eu un matou en feu pendant deux secondes. Ça, c'était pas désagréable. Et il est tombé là-bas, très bien. Ok. C'est hyper important d'illustrer les propos. Ah, un radius. C'est pas un snake. Hein. C'est pas un snake. On va faire ce moteur ici. C'est un moteur au milieu, donc c'est hyper important de le faire. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui va venir en aide. J'ai pas l'impression... S'il y a quelqu'un qui va venir en aide ou pas. Oh. Bouge les bras si tu as besoin d'aide. Ok. Ce moteur, il a été fait. Franchement, il a confiance, hein. Il agite pas les bras. Non ! Tente pas les 4%. Personne. Non, j'arrive à avoir la PD, j'arrive. Oh oui. C'est le piégeur! Non, 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 non! Oh non! Regardez comment je suis triste là! Oh! Hey! Mais enfin là! Bon, lui il le soigne, très bien. Lui se soigne, très bien. Voilà, deux moteurs. Deux moteurs, trois hooks. En vrai, ça va. Lui se soigne. Lui se soigne. Lui va venir m'aider. Et on va aller là-bas. Eux, ils font un moteur. C'est très bien. Je vais avoir peut-être un peu le matou en feu. Mais bon, c'est normal, c'est Gilles. Il a le... Soigne-moi. Là, il y a une compétence de soins rapides qui apparaît en bas. Voilà, hop là. On va aller faire le moteur milieu. Oh. Bon, ok, très bien. Tu rends moche. Oh. Comment on va faire là? C'est vraiment moche, moche, moche. J'espère que l'autre il va faire un moteur, ce serait bien. Ce serait genre giga bien. J'espère qu'il va pas venir ici. Fais pas ça, viens pas là.
Non, il va le tunnel. Oh, on peut faire un truc. J'espère qu'il va pas le tunnel. J'espère qu'il va s'attaquer à l'autre. Notamment à la Elodie. Il faudrait qu'on fasse le moteur au milieu. Parce qu'on a encore de l'espoir. Il faut juste pas être trop dingo, en fait. C'est même Pirata. Welcome back. Parce que le souci, là, dans la précédente chase... Enfin, c'est même pas une chase. Quand je me suis pris le pied... Je sais pas où est-ce qu'il est. Dans le piège, je n'ai... Non seulement, j'ai pas pu... utiliser mon dé d'armes, mais en plus, j'ai pas pu utiliser volonté de fer. C'est un peu la frustrance. Allez, on peut le faire. Et elle, la Meg, elle est pas venue, quoi. J'ai foncé, je suis arrivé en dessous, elle a attendu. Dès qu'elle a entendu le radius, genre, elle est pas venue, quoi. Vraiment, la... Quardis de niveau méga. Je crois que... Ok, aïe, aïe, aïe. Ah, quelle mishmocherie. Là, ici, là. J'espère que le dernier ait fait un moteur. Comme ça, on finirait à temps. Ce serait bien. J'espère que là, Elodie, elle fait un moteur. Moment, Gilles. Je crois qu'elle est... Je crois que le piégeur, il est sur le cucu. D'Elodie. Okay. Est-ce que là, il y a un piège? On va prendre notre courage à deux mains.